Chers téléspectateurs, bonne fin d'après-midi. Nous voici donc en direct de Rome, la basilique Sainte-Sabine sur l'Aventin, où le Saint-Père vient d'arriver. Traditionnellement, le mercredi des cendres, le Saint-Père se rend sur la colline de l'Aventin pour ce que l'on appelle ici à Rome les stations. Un pèlerinage qui dure pendant tout le temps de carême qui s'ouvre aujourd'hui, pendant 40 jours. Un pèlerinage aux différentes basiliques des martyrs de la foi. Et le pape Benoît XVI, comme ses prédécesseurs, débute ce pèlerinage ici, dans la basilique Saint-Anselme, chez les pères bénédictins. Ainsi, avec le pape Benoît XVI, nous entrons dans la prière. Sed pace confitentibus, duique laude nomus, confermet elam languis. Si corpus extra Ut proctuos assentuns, hic parcitatis munera. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, l'imposizione delle ceneri ravviva in noi la processione di questo giorno di sangue, ravviva in noi che noi siamo poussière e che noi siamo rappelés a ritornare alla terra. Puissions-nous, par notre prière, nous rappeler che noi siamo appelés a abbandonner le péché et à chercher la conversion, la purification du cœur. Oui, c'est vraiment le moment favorable. C'est le jour du salut, selon les mots de saint Paul. Puisse notre chemin charismal nous conformer toujours plus au Christ pour pouvoir célébrer le mystère du Christ et recevoir la joie de la résurrection et de la vie. Ensemble, prions. Ô Dieu, toi qui connais la fragilité de la nature humaine, marquée par le péché, regarde ton peuple qui cherche avec force à entrer dans ce temps du carême, à lutter contre le malin et à avoir part à la joie de la Pâque. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ainsi, cette célébration d'entrée en carême, mercredi des cendres, cette célébration des cendres, débute par la procession pénitentielle qui quitte l'abbaye de Saint-Anselme pour se rendre à la basilique de Sainte-Sabine. Christel
Sancti Angeli et Arcangeli, ora te pro nobis. Sancte Pater Abraham, ora pro nobis. Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis. Omne Sancti Patriarche et Profete, ora te pro nobis. Sancti Petre et Paule, ora te pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Johannes, ora pro nobis. Omne Sancti Apostoli et Discipuli Domini, ora te pro nobis. Sancte Stefane, ora pro nobis. Santi Ignati, ora pro nobis. Santi Policarpe, ora pro nobis. Sancte Justine, ora pro nobis. Sancte Laurenti, ora pro nobis. Sancti Protomartires Romani, ora te pro nobis. Sancte Cipriane, ora pro nobis. Sancte Bonifati, ora pro nobis. Sancte Stanislae, ora pro nobis. Sancte Ioannes et Toma, ora te pro nobis. Sancte Paule, ora pro nobis. Sancte Ioannes et Isaac, ora te pro nobis. Sancte Petre, ora pro nobis. Sancte Carole, ora pro nobis. Sancte Agnes, ora pro nobis. Santa Cecilia, ora pro nobis. Sancta Sabina, ora pro nobis. Santa Prisca, ora pro nobis. Omne Sancti Martires, ora te pro nobis. Sancte Clemens, ora pro nobis. Sancte Leo Magne, ora pro nobis. Sancte Gregori Magne, ora pro nobis. Sancte Ambrosi, ora pro nobis. Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancte Athanasi, ora pro nobis. Sancti Vasili et Gregori, ora te pro nobis. Sancte Johannes, ora pro nobis. Sancte Martine, ora pro nobis. Sancte Patrici, ora pro nobis. Sancti Cirille Metodi, ora te pro nobis. Sancte Anselme, ora pro nobis. Sancte Carole, ora pro nobis. Sancte Pie, ora pro nobis. Omni Sancti Pontifices et Doctores, ora te pro nobis. Sancte Antoni, ora pro nobis. Sancte Hieronime, ora pro nobis. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancte Bernarde, ora pro nobis. Sancte Francisce, ora pro nobis. Sancte Dominice, ora pro nobis. Sancte Columbane, ora pro nobis. Sancte Peta, ora pro nobis. Sancte Romualde, ora pro nobis.
Sancte Bruno, ora pro nobis. Sancta Scholastica, ora pro nobis. Sancta Clara, ora pro nobis. Santa Francisca, ora pro nobis. Sante Vincenti, ora pro nobis. Sante Johanne Maria, ora pro nobis. Sante Catarina e Teresia a Gesù, ora pro nobis. Santa Rosa, ora pro nobis. Omnes sancti presbiteri et religiosi, ora pro nobis. Sante Saba, ora pro nobis. Sante Alexi, ora pro nobis. Santa Marcella, ora pro nobis. Santa Monica, ora pro nobis. Santa Elisabeth, ora pro nobis. Omnes sancti et sancte Dei, ora pro nobis. Christi Fili Dei vivi, miserere nobis. Qui nunc mundo venisti, miserere nobis. Qui in cruce pependisti, miserere nobis. Qui mortem propter nos accepisti, miserere nobis. Qui in sepulcro jacuisti, miserere quia mortuis resurrexisti, miserere nobis. Qui in celos ascendisti, miserere nobis. Qui spiritum sanctum in apostolos misisti, miserere nobis. Qui sedes ad exteram patris, miserere. Venturos et judicare vivos et mortuos, miserere nobis. Pecatores, te rogamus audimus. Ut indulgentiam tuam pro peccatis nostris largire digneris, te rogamus audimus. Ut ad veram conversionem non perducere digneris, te rogamus audimus. Ut nos met ipsos in tuo santo servicio confortare et conservare digneris, te rogamus audimus. Ut mentes nostras ad celestia desideria erigas, ut animas nostras fratrum propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eripias, te rogamus audimus. Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris, te rogamus audimus. Ut mundum a peste fame et pello servare digneris, te rogamus audimus. Ut cunctis populis pacem et feram concordiam donare digneris, te rogamus audimus. Ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, te rogamus audimus. Ut omnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, te rogamus audimus. Ut omnibus in Christum credentibus unitatem largire digneris, te rogamus audimus. Ut omnes homines ad Evangelii lumen perducere digneris, te rogamus audimus. Ie
Jesu Filii Dei vivi. Eodamus audinus. Christe audinus. Christe audinus. Christe ex audinus. Christe ex audinus. La procession pénitentielle s'est achevée et le Saint-Père est entré dans la basilique Sainte-Sabine où il va revêtir les vêtements liturgiques pour la célébration de la messe des cendres. Basilique Sainte-Sabine sur l'Aventin est une des basiliques paléochrétiennes les plus anciennes puisque on a trace de ce monument et du martyr de Sainte-Sabine dès la fin du IIe siècle, haut lieu de la chrétienté, première station de carême, dans la tradition romaine, sachant que le mot station nous rappelle le mot arrêt, un temps d'arrêt, et les 40 stations de carême plus la semaine pascale manifeste un grand pèlerinage de la foi aux sources de la foi, juste aux sources de ces lieux où les premiers martyrs ont donné leur vie à la suite du Christ. Voilà pourquoi l'on parle ici de station de carême. Rappelons bien évidemment que ce temps du carême, ce temps des 40 jours est un temps qui invite tous les baptisés à revenir à la source, à retrouver la beauté du baptême. C'est en même temps un temps catéchétique pour tous ceux qui se préparent au baptême.
les catéchumènes qui, dans la plupart des diocèses du monde, vont ce week-end être appelés par leur évêque, vont manifester publiquement leur désir d'entrer dans le combat spirituel pour recevoir la vie nouvelle dans la nuit de Pâques grâce au sacrement de l'initiation que sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Le temps du carême est cette grande catéchèse qui s'appuie sur l'expérience du peuple de Dieu, les 40 ans de l'Exode, les 40 jours de Jésus au désert, temps de retour au Christ, temps qui commence par cette journée pénitentielle où l'Église invite les chrétiens à s'abstenir de viande, à pratiquer le jeûne, c'est-à-dire à manifester clairement dans leur corps que la nourriture essentielle de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Pendant que le Saint-Père revêt la chasuble, les ornements pour la célébration de l'Eucharistie, nous pouvons nous-mêmes nous préparer à nous unir à sa prière. La première lecture sera tirée du livre de Joël, au chapitre 2, les versets 12 à 18. Le psaume responsorial sera le psaume pénitentiel, le Miserere. La seconde lecture, dans la seconde lettre de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Et puis l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 6. Nous nous préparons à entrer à notre tour dans la prière, à nous unir. Metterò nel cuore la mia legge, sarò il vostro Dio e voi il mio popolo. L'uomo di integra condotta che cammina nella legge del Signore, beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Commette alcuna ingiustizia, chi le sue vie fedele percorre, i tuoi precetti tu hai impartito, perché siano osservati fedelmente. Vi metterò nel cuore la mia legge. Siano diritte le mie vie, nel custodire i tuoi decreti. Non dovrò patire vergogna alcuna, se avrò obbedito ai tuoi comandi. Mi metterò nel cuore la mia legge, sarò il vostro
conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. Mi metterò nel cuore la mia legge, sarò il vostro Dio e voi il mio popolo. Mi sereri sogni preghiamo. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore. Lettura del libro di Gioele. Ritornate a me. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur,
iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. » Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Le psaume 50. Pitié, Seigneur, pitié, mon Dieu, miserere. Miserere mei Deus, miserere mei. Miserere mei Deus, miserere mei. Miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam, et secundum multitudine miserationum tuarum, dele iniquitatem meam, amplius lava meab iniquitate mea, et a peccato meo munda me. Miserere mei verte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas tele, cor mundum crea in me Deus, et spiritum firmum innova in visceribus meis, ne proicias mea facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. Redde mihi letitiam salutaris tui, et spiritu promptissimo confirma me. Miserere mei Deus, cebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertentur. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me, et exultabit lingua mea justitiam tuam. Domine labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam. Non enim sacrificio delectaris, holocaustum si offeram non placebi. Miserere mei Deus, miserere. Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Lettura della seconda lettera dell'apostolo San Paolo aux Corinthiens. Noi, frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu.
car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, les versets 1 à 18. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli, comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. » Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries,
Retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Seigneur, tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de répulsion pour aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes, tu les invites à la pénitence, tu leur pardonnes car tu es le Seigneur notre Dieu. Chers frères dans l'Épiscopat, chers frères et sœurs, avec cette émouvante invocation tirée du livre de la Sagesse, la liturgie introduit la célébration eucharistique de ce mercredi des cendres. Ce sont des paroles qui, d'une certaine manière, ouvrent le chemin intérieur du carême, s'appuyant sur le fondement, la puissance de l'amour de Dieu, son absolue seigneurie sur toute créature qui se traduit dans une indulgence infinie, animée par une constante et universelle volonté de vie. En effet, pardonner équivaut à dire « Je ne veux pas que tu meures, mais que tu vives. Je veux toujours et seulement ton bien. » Cette absolue certitude a soutenu Jésus pendant les 40 jours qu'il a traversé le désert de Judée après le baptême qu'il a reçu par Jean dans le Jourdain. Ce long temps de silence et de jeûne fut pour lui un abandon complet au Père et à son dessein d'amour. Ce fut d'une certaine manière un baptême, une immersion dans sa volonté et en ce sens une anticipation de la passion et de la croix. À travers le désert, ce long chemin seul signifie s'exposer volontairement pour lutter contre l'ennemi, le tentateur qui voulait le faire chuter. Adam a connu la mort qui est entré dans le monde. Ça signifie que s'est engagée la bataille et que le camp est ouvert. Mais Jésus, par son amour, par la nourriture de sa volonté, cette certitude habitait son esprit et le cœur de Jésus pendant son carême. Ce ne fut pas un acte d'orgueil, ce ne fut pas quelque chose d'insurmontable, un chemin d'humilité cohérent avec l'incarnation et le baptême dans le Jourdain, dans la même ligne d'obéissance de l'amour miséricordieux du Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Tout cela, le Seigneur Jésus l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous sauver, pour nous montrer le chemin qu'il nous faut suivre. Le salut, en fait, est un don et grâce de Dieu. Mais pour avoir effet dans mon existence, cela réclame que j'accueille, que dans les faits, je reçoive cette volonté. Il est nécessaire que je marche derrière lui. Suivre le Christ dans le désert de Carême, c'est donc la condition nécessaire pour participer à sa Pâque, à son exode. Adam fut jeté du paradis terrestre, symbole de la communion avec Dieu. Mais voilà que pour retourner à cette communion et donc à la vie éternelle, il est indispensable de traverser le désert, le chemin de la foi, pas seul, mais avec Jésus. Lui, comme toujours, nous a précédés et a vaincu le combat contre l'esprit du mal. Voilà le sens du carême, tant liturgique que chaque année nous invite à rénover notre suite du Christ sur un chemin d'humilité pour participer à sa victoire sur le péché et sur la mort. Dans cette perspective, nous comprenons le signe pénitentiel des cendres que nous allons recevoir sur la tête qui ouvre ce chemin de carême. C'est essentiellement un geste d'humilité qui signifie que je me reconnais comme celui qui est une créature fragile, faite de terre et destinée à la terre, mais aussi faite à l'image de Dieu et destinée à Dieu. La poussière même, mais beaucoup plus, l'amour de Dieu est plus fort, son souffle qui m'anime, souffle vital qui me rend capable de connaître, de reconnaître sa voix, de lui répondre, de me libérer, cette capacité aussi de désobéir, de céder à la tentation, de l'orgueil et de l'autosuffisance. Ainsi est le péché, maladie mortelle qui vient tâcher cette terre bénie de l'être humain. Créé à l'image du saint et du juste, l'homme a perdu sa propre innocence et doit retourner à la justice, à la grâce de Dieu. La justice de l'amour qui, comme l'écrivait saint Paul, s'est manifestée au moyen de la foi dans le Christ. Par cette parole de l'apôtre Paul, j'ai retenu un point dans mon message de carême que j'ai donné aux fidèles, une réflexion sur le thème de la justice à la lumière de l'Écriture sainte et de la manière d'agir du Christ. Aussi, dans les lectures bibliques de ce mercredi des cendres, est bien présent le thème de la justice. En premier, la page du prophète Joël que nous avons entendue et le psaume responsorial, le Miserere, il forme un diptyque pénitentiel qui résulte comme à l'origine matériel social dans lequel la Bible est appelée l'iniquité. C'est le péché qui consiste fondamentalement à la désobéissance envers Dieu, veut dire manquer d'amour. Oui, confesse le psalmiste, mon péché, tu le connais. Mon péché est devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le premier acte de la justice est donc de reconnaître sa propre iniquité. Reconnaître dans cette radicalité du cœur se trouve le centre de la personne humaine. Le jeûne, les pleurs, les lamentations, toutes les expressions pénitentielles ont une valeur aux yeux de Dieu seulement s'ils sont signes d'un cœur sincèrement repenti. Aussi l'Évangile, dans ce discours de la montagne, insiste sur l'exigence de pratiquer
la propre justice, l'aumône, la prière, le jeûne, pas devant les hommes, mais seulement sous le regard de Dieu qui voit dans le secret. La vraie récompense, ce n'est pas l'admiration des autres, mais l'amitié avec Dieu et la grâce qui en dérive, une grâce qui est un don de paix, qui est la force de faire le bien, d'aimer, pas par nos propres mérites, mais de pardonner et d'offrir le pardon. La seconde lecture, l'apôtre de Saint Paul, qui nous invite à nous laisser réconcilier avec Dieu, contient un des célèbres paradoxes pauliniens qui reconduit toute la réflexion sur la justice et le mystère du Christ. Celui qui, disait Saint Paul, celui qui n'avait pas connu le péché, le Fils fait homme, Dieu l'a fait pécher pour nous, pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Dans le cœur du Christ, comme au centre de sa personne divino-humaine, se trouve le terme décisif et définitif. Tout le drame de la liberté se noue là. Dieu a porté à l'extrême les conséquences de son propre dessein de salut, restant fidèle à son amour, y compris jusqu'au sang du Fils unique, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Comme je l'ai écrit dans le message de Carême, ici se manifeste la justice divine profondément différente de la justice des hommes. Grâce à l'action du Christ, nous pouvons entrer dans une justice plus grande qui est celle de l'amour. Chers frères et sœurs, le Carême est un large horizon qui nous conduit à la vie éternelle. Sur cette terre, nous sommes en pèlerinage. Nous ne sommes pas dans une cité stable, mais nous marchons vers la cité future, comme dit la lettre aux Hébreux. Le carême nous fait comprendre la relativité de tout ce qui existe sur cette terre et nous rend capables de renoncer, de nous libérer pour faire le bien. Ouvrons la terre à la présence de Dieu. Amen.